Quand on s'est mis ensemble, elle est arrivée 3 jours chez le père de son enfant, mais c'est à la maison, elle a éteint ses téléphones. C'est elle qui me l'a dit d'elle-même, après, quand on s'est remis ensemble. Ça veut dire qu'elle aussi m'a trompé. 3 jours chez le père de son enfant, à Dreux. Si je mens, vous la pouvez l'appeler si vous posez la question. 3 jours, elle a fait dehors. Donc, une femme mariée qui fait 3 jours dehors, 3 jours et 3 nuits dehors, elle éteint son téléphone. Vous savez que c'est facile de dire qu'on a trompé. Mais vous aussi, la douleur, c'est pour tout le monde. Hein. Donc arrêtez donc de dire des choses que les gens ne supportent pas. Aujourd'hui, elle se plaint. Elle cherche des blogueuses qui sont ennemies avec le lot pour lui faire la guerre. Ça sert à rien, pourquoi ça. Pourquoi c'est bien c'est pourquoi je veux dire, le problème, c'est moi. C'est là pour avec moi qu'elle s'attaque à moi. Mm-hmm. Elle n'a pas s'attaquer à Lolo. C'est pas Lolo qui est venu me chercher. C'est moi qui suis allé la chercher. Monsieur Otam. Qu'elle s'attaque à moi. Vous n'avez pas de vidéo de vos ébats sexuels qui fuitent avec monsieur, avec Lolo Fondia qui ont fuité? De moi? Oui. Partant d'elle, oui. D'accord. Donc c'est pour ça que je voulais déjà que vous confirmiez cette information-là. Donc je vais poser une question qui s'inscrit dans la continuité de mon préambule. L'humiliation, ça fait partie de vos fantasmes? Bien, l'humiliation, moi? Oui. Non. Je vais reformuler ma question. Reformuler. Parce que tout à l'heure, vous avez dit bien sûr, on dit souvent que la première réponse est bonne à prendre, mais je vais reformuler. L'humiliation, oui. Fait-il partie de vos fantasmes? J'ai dit encore non. Pourquoi? Vous parlez du sexuel? Non, je sais où elle va en venir par rapport à la vidéo qu'elle aura entendue. Pourquoi dans la vidéo, vous dites à Lolo Fondia de renier ouvertement son mari en disant « Dis que ton mari n'est rien, dis que je dépasse ton mari. » Ah, vous avez écouté la vidéo? Oui. Vous l'avez vu aussi? Religieusement. Ah, vous l'avez vu? Monsieur... Alors que vous serez témoin dans le tribunal quand je vais poursuivre les gens. Mais monsieur, ça, je vous le dis déjà. Monsieur, je ne suis témoin de rien. Mais vous le dites là, vous avez vu la vidéo. Je vous dis que je suis libre. Vous direz donc, vous n'êtes pas venu. Sur Internet. Ah d'accord. La vidéo sur Internet. Ok, je vous écoute. Moi, je suis chroniqueuse télé. Quand je reçois un invité, j'enquête sur lui. J'ai pas dit non. Voilà, donc moi, je suis allée sur Internet, je me suis renseignée. Donc, s'il faut dire où j'ai vu la vidéo, je dirais que j'ai vu la vidéo sur Internet. Mais ça c'est pas le plus important. Non, je dis témoin, je ne vous poursuis pas vous. Non, mais que vous me poursuivez, que vous me poursuivez pas, ça, c'est pas le débat de la vidéo. D'accord. Moi, vous avez dit dans la vidéo, dis que ton mari n'est rien. Dis que je dépasse ton mari. En même temps que vous lui demandez de faire ça, je comprends pas. L'humiliation, c'est pas. Non. Voilà. Si vous confondez Réponds à la question. Je suis en train de répondre à la question. Voilà. Mais pas dans votre sens, dans mon sens, parce que c'est moi qui réponds. Sauf si vous voulez me prendre les idées dans la tête. Vous confondez ça dans le contexte de l'humiliation. Ah. Si vous l'avez vu vraiment. Parce que vous savez, peut-être la partie que vous avez vue vous laisse entendre cette humiliation. Mais si vous avez peut-être commencé la vidéo au départ, vous ne parlerez pas d'humiliation. Je vous réponds. Vous me demandez à quelle partie j'ai écouté la vidéo, je réponds. C'est pas je vous réponds. Je vous réponds pour faire. Comme moi, je connais j'ai l'intégralité de la chose. Je vous réponds. Vous pouvez dire que la vérité, c'est moi. D'accord. Au départ, nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit, attache-moi. Je dis, mais c'est elle qui le dit. Avec la ficelle noire. C'est elle qui le dit. Mais je veux d'abord paraffer, avant de continuer, que. Son mari qui est chez lui là, il a pris les photos de moi, où elle n'est même pas, elle ne paraît pas à l'intérieur, qu'il a dans son téléphone, qu'il a envoyé au père de l'enfant qui a devant ma femme, qui m'a montré. Oui, mais monsieur, ce n'est que légitime. Non, c'est pour dire que non, je vais continuer. Ça peut être légitime comparé à ce que vous avez dit. C'est pourquoi je veux dire que quand vous dites que je détiens ces photos à elle, elle détient aussi les miennes qu'elle a gardées étant en couple. Voilà. Il faut lever les kikou. C'était un jeu des deux. Il faut lever les kikou sur vous. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne pouvez pas penser que j'avais des nuités d'elle, elle n'en avait pas de moi. Non, on se les partageait. Maintenant, les miens sont tombés dans les mauvaises mains. Et les siennes aussi dans les mauvaises mains, mais qui sont revenus me retrouver à la maison. On est d'accord. Autant répondre. Ça, j'ai bien compris. Sur l'illumination. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo arrive à ce point. Lolo, quand elle se met avec moi, elle est déjà avec ce monsieur. Elle le quitte pour venir chez moi. On a fait 1 an dans la même maison. Lolo et toi? Oui. Vous avez habité dans la même maison? Même maison pendant 1 an. Elle quitte ce gars parce que le gars, elle est venue me voir, le gars l'a maltraité. Et ça, c'est à quel moment? C'est quand le gars l'a laissé, il fait les 4 jours, 5 jours. C'est à quel moment par rapport à madame mariée? C'est 2014, 2013. C'est pas maintenant, je ne suis pas encore marié. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Elle laisse son mari pour venir se mettre avec vous. Ils ont eu des problèmes, le gars il est parti, il s'est même avec une autre fille à Compiègne. Ok, d'accord. Vous comprenez? Et elle tombe sur moi et elle est déprimante. Je lui dis, mais tu ne peux pas te laisser aller. Je l'ai donné la joie de vivre, de revivre ça. C'est drôle, mais c'est moi. C'est vrai, au lieu, c'est vrai, c'est junkie, même qu'on dit en France. Peut-être qu'elle devait devenir. Mais tout ça, là, ça ne répond pas à ma question. Je vais arriver. Pourquoi on parle d'humiliation? C'est le départ de la vidéo que je vous explique. Vous avez vu une partie d'une vidéo. Donc là, je vous parle de ça. C'est pas la vidéo, ça. La vidéo, c'est l'intégralité. Voilà. Ce que je vous explique. Donc, elle déprimait. Alors, à un moment donné, on a eu des problèmes. Elle a dit, elle retourne chez lui.
J'ai dit, ok, c'est bien pour toi, vas-y. Mais 2 semaines après, elle me rappelle. Elle me dit, je vais te voir. Elle vient vers moi, on discute. Elle arrive chez moi. Là, je vis toujours seul. On est en 2014. C'est là où je lui dis ça. Que bon, comme tu reviens là, c'est dans la vidéo, si vous avez bien suivi la vidéo. Okay. Comme tu reviens là, il va falloir que tu choisisses. Et tu me dis, moi, que tu veux bien sortir avec lui, c'est moi que tu vas rester. Okay. C'est ce que je pourrais comme c'est ce que je lui dis. Ça n'a rien à voir avec la partie qu'on vous présente pour l'humilier, elle. Non. C'est le défaut de chercher à avoir l'intégralité de la vidéo bon, pour comprendre. Monsieur Otam. Oui. Je vais rebondir. Ce que vous dites là, si on le prend dans votre contexte, vous avez raison. Sauf que ce que vous êtes en train de dire, si vous l'aviez dit hors et bas, ça aurait pu être compréhensible. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas attendre en train de chevaucher la femme de quelqu'un et lui dire que vous dépassez, elle doit répéter. Non, attention, là je refuse ça, je ne suis pas sur elle. Vous allez bien voir la vidéo. Ça, c'est, ça, je le suis. À partir de vous le chevauchez, je comprends dans le sens que vous avez. Il n'y a pas de chevaux à ce moment-là. Ne le dites pas. Parce qu'elle est couchée, je vais vous dire. Monsieur, c'est la que j'ai eu avant monsieur, vous. Ce n'est pas la partie où vous arrêtez son coup là, que vous dites que, je n'ai pas fait. Non, vous avez. Non, vous avez dit. Écoutez, vous avez. J'ai comme l'impression qu'ils ont fait des raccords de vidéos. C'est ce qu'elle dit. J'ai comme l'impression qu'il y a eu des raccords de vidéos. Moi, elle dit ce que j'ai vu sur Internet. Je ne dis pas non. C'est la partie où vous arrêtez le coup. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi. Vous savez, quand vous voulez des réponses, laissez. Oui, mais moi, je pense qu'il faut. Il y a une partie qui est à Cannes. D'accord. Une autre partie qui est chez moi, là, du 17e. Mm-hmm. Et ensuite, toutes les vidéos sont pas à Paris. À quel niveau tu attrapes son coup? Voilà. Dans quelle ville Et déjà, je pense que. Le tien est stupide. Hein? Et déjà, je pense que. Nous avons le droit, nous avons le droit d'utiliser une société comme on veut, que ce soit de manière désinvolte ou quoi. Chacun de nous, dans chacune des chambres, chacun, on fait ce qu'on veut. Peut-être que vous êtes même pire que moi, étant donné qu'on ne fait pas des photos, on peut le découvrir. Alors ne profitez pas de cette vidéo pour ouais, monsieur, je pose seulement la question. Non. C'est non, vous qui avez répondu tout à l'heure que c'était pas dans des secteurs, il n'y a pas de débat en ce moment-là. Tenez le coup, quand vous dites tenez le coup, c'est les bras qui tiennent le coup. Ce n'est pas les bras qui chevauchent. Non, monsieur... Alors, allez voir si la partie où je tiens le coup et à chevauchement, déjà avant de dire qu'il parlait de chevaucher. C'est ça que je vous dis. Bon, ça veut dire qu'on a donc fait les raccords de vidéos. J'ai l'impression. Parce que moi, me le concerner. Oui. Je me retrouve pendant ces vidéos dont vous expliquez. Je pense qu'il y a eu des raccords. Donc, monsieur Otam, ça veut dire que la vidéo, pour qu'on soit clair, oui. La vidéo où vous demandez à Madame Lolo de dire que vous dépassez son mari et qu'il n'est rien, ce n'est pas la même non, vidéo. Non, pas dépassé. Vous avez donc mal compris. Bon, monsieur, ce n'est pas la même. Non, même pas mieux. Donc, bon, que vous, est-ce que c'est, vous ne lui avez pas dit de dire que non, je lui ai dit, son dit, mari n'est rien. Attends. Oui, rien, attention. Quand vous dites rien et dépassé, ce n'est pas la même chose. Vous avez dit qu'elle doit dire que son mari n'est rien. Rien autre, oui, il n'est rien. Écoutez, est-ce que ce n'est pas la même chose? Vous voulez les mots, si vous voulez les non, mots. Monsieur, je veux d'abord, monsieur, je vais être sûr que c'est la même vidéo. Vous voulez imaginer. Monsieur Otam, je vais être sûr que ce soit la même vidéo. C'est pour ça que je vis. Dans la vidéo que moi j'ai vue sur Internet, elle est enlacée avec le fil noir. Pourquoi on soit sûr que c'est la même vidéo? Ah, c'est marrant alors. Voilà, donc peut-être que parce que vous vous trompez toujours. Je me trompe comment donc? Toujours. Mais c'est dans la luminosité noir, marron, c'est. Ne prenez pas de zoom. Puisque vous voulez entrer, vous voulez captiver la vidéo. Il faut zoomer. Attends, noir, marron, attends, si je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand la tâche. Elle est marrante. Elle était sur votre chaîne, vous avez le cas. On n'avait pas encore la vidéo là. Ah, vous l'avez invité là à nouveau. On n'avait pas encore la vidéo. Si vous l'invitez à nouveau. Je ne vais pas répondre à ça. Donc, ça veut dire que c'est la même vidéo, monsieur, autant que continue. En fait, on n'est pas là en fait, pour décortiquer votre vie sexuelle. Hein, franchement. Je vais vous dire quelque chose. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. On n'est pas là pour décortiquer votre vie sexuelle. C'est justement ce qui vient de se passer. Non, c'est juste la condition dans laquelle les choses se sont passées. Dit. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Donc, vous avez le libre choix d'avoir en fait, vos penchants sexuels. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour décortiquer ça, sincèrement. Voilà. Et donc, moi, je vais retourner en arrière. Moi, ce qui m'intéresse, parce que notre thème, c'est ce qui s'est passé avec Madame Otam. Effectivement, on est aussi des femmes ici sur le plateau. Il y a des femmes qui nous regardent. Quand on voit la nudité d'une femme exposée, et cette femme, vous êtes sur le plateau, cette femme, c'est votre ex, on a besoin de...